Aujourd'hui, on est hébergé chez Moulville. Donc, c'est un petit qui nous héberge chez ses parents. Du coup, là, on vient d'arriver. Et sa mère est trop gentille, elle nous a déjà fait à manger et tout. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Vous allez bien? Ça va, mais bien. Vous êtes installé? Ouais, on est installé, c'est bon. D'accord. C'est énorme. Regarde la raideur du. Non, mais si tu nous fais visiter. Vas-y, vas-y. En vrai, c'est tellement cool quand on est hébergé chez des gens, on découvre un peu des maisons, etc. Et puis on échange plein de moments cool. C'est vraiment sympa. Oh là là. Mais vite, il nous met très très bien. C'est Rémi qui l'a fait. C'est pas ça? Incroyable. Ah ouais, parce que c'est dans le même temps. Moi, j'ai mis qui m'a dit qu'il m'a. Rémi aussi l'a fait. Je sais pas vous, mais. Keto. Ouais, Rémi. Café des îles là. On voit, gaffe. Bon, aujourd'hui, Thomas il nous a emmené sur un roof alumini où il a déjà fait plein de dingueries. Et là, il y a Mathieu qui est en train de se chauffer pour le faire en Lloyd. Du coup, il fait quelques prefs et puis je pense que ça va partir dans pas trop longtemps. Il va l'éclater en vrai, je pense qu'il va l'avoir à l'aise. Ouais, et il y a Mehdi là qui est en train de se chauffer aussi à le faire en front. Je le pensais un peu plus grand. Du coup, ça me rassure un peu. Après, commencer la journée par ça, c'est toujours un peu catastrophique. Juste qu'il se fasse une bonne prep, histoire qu'il se mette en confiance, ouais. Et après, ça s'éclate. Allez. On va poser les palettes là, pour lui faire un bon espace. Là, Mathieu, il a mis une marque un peu plus loin que le vrai roof gap. Comme ça, s'il l'a, c'est sûr que c'est large. Voilà. Bon, ça y est, là, Mathieu, il commence à le sentir. C'est le moment où il doit juste se faire confiance. Il a fait plein de prep, ça s'est bien passé. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'envoyer. Et normalement, si tout se passe bien, il va l'avoir. 3, 2, 1, let's go. Allez, 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 allez. Allez, il a éclaté, ça fait plaisir. Ça y est, nouveau Lloyd Gap dans la poche. Trop bien. Comment la récepte par rapport au but? En vrai, c'est beaucoup plus rassurant parce que la récepte elle est infinie. Alors que le but, il y avait une limite. Mais du coup, j'ai pu courir à fond et pousser comme un âne. Du coup, c'est rassurant. Mais ouais, je pense qu'on est pas loin de la limite quand même. Bon, là, il y a Thomas qui est en train de se chauffer à faire une line carrément avec le roof gap. Ça a aucun sens. Incroyable, putain, il fait des lines. Il fait des lines avec le roof gap en premier. C'est génial. Mon objectif, c'est faire Rudy et enchaîner quelque chose derrière, c'est possible. Oh, ça, c'est mais ça, chaud. C'est hardcore. Il faut tester, je vais faire une preuve, je vois si ça va passer. Ok, ça peut faire. T'es pas allé loin là. Wouah. C'est déconné ça. 5-4, parti un roof. Faut s'en rendre compte, c'est chaud. What the fuck? What? Non mais faut se rendre compte que c'est une grosse dinguerie là. Un 5-4 en roof gap. Genre je sais pas si vous vous rendez compte. C'est n'importe quoi. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait c'est un salto avant avec une vrille et demie. Normalement tu fais même pas ça sur le sol, enfin c'est trop dur de le faire sur le sol. Et lui fait ça en roof gap. En plus, il a un poignet en moins, du coup, il fait des roues de juste une main. Thomas, il est inarrêtable. Il va repartir sur une line. Il va essayer de faire Rudy, pop back et dub cork après. Mais c'est incroyable. On a la Ciota, on va pas dévoiler le spot plus que ça, pour pas qu'il soit trop assiégé. C'est un spot de cliff, ça va de 8 à 25 mètres, il est hyper stylé, tu passes au large, il n'y a personne, c'est au top. Alors hier, quand on a eu la bonne idée d'aller tracer en plein canyon, il y a Valentin qui a popé de nulle part comme ça, qui nous a dit « Ouais les gars, demain, il faut trop que vous veniez
La Ciotat, il y a un spot de fou furieux. Et du coup, maintenant, on est là aujourd'hui. On va kiffer avec Valentin, qu'on a rencontré 10 minutes hier. Voilà. Bloc les gars, si on lâche les prises, on tombe directement dans la flotte. Yeah. Ok, ça a l'air tellement bien. Ah non, non. Salut Valentin. Valentin il rentre parce qu'en fait il était juste sur sa pause du midi. Il est venu juste 2 heures avec nous. Et là il retourne au taf. Qu'est-ce qu'il a? Le reporter. Ça oui. T'as des cons. What's up? Tchou. Merci pour le soir. Ciao ciao. Ciao Mathieu. Ciao. On est parti de Marseille et là il y a Basile qui nous a envoyé un message sur Instagram et il nous a proposé de venir chez lui ce soir, de nous héberger. Donc là on est en train de le suivre à vélo et il va nous montrer un peu sa maison, son environnement et on va essayer d'aller se faire un petit sunset ce soir sur les hauteurs de Marseille, ça va être bien stylé. Hyper zinc. Pas quand même en vrai. Là, il va vite là, enfin il est à 30 en montée. C'est un petit sanglard en fait. What? Il a tellement mangé lui. Non, ouais, il a plus trop mangé que lui. Tu t'emmènes avec moi Jack. Bah ouais, Allez viens frérot. C'est ton chien Shoot. Nous voilà dans l'humble demeure de Basile. Un banger. Oh, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Vas-y, vas-y, dis-leur. Oh, come on. Bien joué. Oh, ouais. Un mois de trip, c'est quand même bien fatigant. Merci aux abonnés qui nous hébergent, franchement. C'est du bonheur. Déjà de vous rencontrer, c'est incroyable. Et d'échanger des moments, c'est encore mieux. Là, on vient d'arriver au spot que Basile nous a conseillé. Et c'est vraiment stylé. Waouh. Oh, c'est très 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 stylé, les gars. Waouh. Oh là là, oh là là. J'ai jamais vu aussi bien, là. Je crois que j'ai 10 sur 10 en vision d'un coup. Ah, ça fait du bien de monter, de prendre de la hauteur et de se rendre compte qu'on est tout petit. C'est quoi ce spot de fou, là? Je fais des petites foules. Après une blessure au talon, là, ça fait plaisir. Des petites foules. Deux foules, pardon. Alors là, on arrive sur un spot de cliff qui est bien original, que des potes nous ont filé. En fait, c'est des espèces de grosses machines. Je sais pas trop à quoi elles servent, mais genre elles sont dans l'eau et ça crée des spots de cliff. Ça monte pas super haut, mais c'est bien original. Et avec cette chaleur, ça va faire plaisir de se baigner. Wow. Bon, évidemment, on est dans un endroit qui est pas forcément autorisé. Du coup, on vous invite pas à reproduire ça et à vous baigner dans les carrières.
apparemment il y a un rope swing sur le spot. On n'est pas les premiers à le taper. Hein. Ouais, je pense que c'est abandonné en vrai. Ouais, il y a encore tous les câbles. Vas-y, je tasse le rope swing. Vas-y. Et comment on passe là? Tu me lâches pas. Hein. Non. Yes. Tu le lances à l'eau. Wow. Ouais, il a l'air terrible. C'est chill, mec. Ouais, wow, mais ça fait full balai, ça. Tu veux que j'y vais au premier ou quoi? Tu veux aller en premier, je t'en prie. Vas-y. Ah, ça fait trop peur. Vas-y, Mathieu. Il est tellement cool, il fait un peu peur mais au final il s'envoie bien. Ouais mais avant il pilotait de là. What? Attends mais quoi? Le rope swing, ça te tient avec ça. On n'avait pas vu. Regarde. Mais Louis, viens voir comment il tient le rope swing. Il tient avec des fils en plastique, mon pote. Il y en a qui ont pété déjà. Mathieu, en fait, je te disais pas de la merde. Hein. Et hein, ça tient avec ça, avec des... Des circflex. Et le saut là-bas. Quoi? Le saut là-bas. Ouais, ça se fait. Là, on a trouvé un saut assez engagé avec les gars. En gros, on part d'une espèce de poutre et on doit arriver à l'intérieur de la machine. Et il faut gaper une espèce de grosse grille en métal, du coup ça fait peur. Je crois que le saut, il fait 14-15 mètres. Donc, faut pas le prendre à la légère, mais je pense qu'on va le faire. Ça donne envie, hein. Ouais, bah, ah ouais, grave. Le saut, il est vraiment beau, en vrai. Si on arrive à faire ça, ça va être trop agréable. Ouais, parce que sauter dans un truc comme ça, avec des trucs tout autour, ça fait une espèce de sensation de gouffre, un peu. C'est... Genre, ça mélange l'urbex et le cliff. C'est stylé en vrai. Le truc qui est hardcore, c'est qu'il y a des espèces de gros câbles en métal qui partent du haut de la machine et ils vont jusqu'à l'eau. Du coup, on sait pas du tout s'ils continuent dans l'eau, s'il y a moyen de se les prendre quand on en saute. Il faut qu'on aille faire une espèce de coulée le long des câbles. Ça va être marrant. La coulée, on la prend pas à la légère. Mec. Là, il faut faire un truc cali de chez cali. Mais là, faut faire parce qu'il y a du bordel en dessous, je pense. Ah oui, mais là, il faut vérifier tout le paramètre là. Hein. Oh, il y a full fond. Ouais, il y a full fond. Genre, les câbles, ils vont tout au fond. Vas-y, ramène, essaie de les ramener. Les gars, ils sont en train de galérer avec les câbles. Voilà. Moi, j'ai trouvé une autre technique, j'ai trouvé une espèce de câble et je les attache. Ça repart de l'autre côté, allez, voilà. Oh putain. Bon, allez, c'est bon, c'est propre, c'est validé. Allez. Gros père feuille ciseaux pour savoir qui saute en premier. C'est parti. Pierre, feuille, ciseaux. Il n'y a pas de débat. Le verdict est sans doute. Bon, ça y est, c'est le moment. On a fait la coulée, on a viré les cordes. Et bah, il va falloir se lancer. Hein. Incroyable. Oh, c'est fou, c'est incroyable. On a trouvé un dernier saut avec Shukai là. On va courir ici sur ce toit. Bon, c'est parti, là on va faire le dernier saut, c'est le plus haut du spot. Ça fait 17 mètres je crois. Et l'élan c'est un peu sketchy parce que c'est sur une espèce de tôle qui se plie. Il faut courir là où il y a les vis. Parce que là où il y a les vis, c'est là où il y a une poutre en dessous. Et il y a Max de fond, on a vérifié le fond, il y a Félix qui a pris une photo, on attend Vlad et ça va partir. Ouais.
Oh, ils sont chauds. Bon, c'est la fin de la session. Et Louis veut absolument tenter un nouveau truc. Il veut lancer triple bac. Mathieu, fais ton nom, mais fais ton nom, Mathieu. Allez, okay. 3, 2, allez, reste devant. 1. Il y a Sky qui est trop déter pour faire un gros toboggan, il est en train de ramener un gros seau d'eau là. Oh. J'ai un défi. J'ai envie de le voir sans mes yeux. Quoi? Bah, j'ai l'impression que je dois pas bien viser, mec. Vas-y, t'es chaud ou pas avec moi? Ouais, bah oui. Il faut bien viser, mec. Hein. En vrai, on essaye. Bah, pour moi, c'est sûr qu'il y en a au moins un des deux qui va toucher. Hein. Ouais. Ouah, mais mec. Oh, ça fait peur en vrai. Mais gros, mais mets tes pompes. Oh non. Tes idées du giton là. Tout le temps je me suis dit ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et les pieds non. Je sais pas. Oh, oh, il est trop chaud. Bon, ça y est, on a fini de kiffer. C'était une putain de session, ouais. Ça fait trop plaisir le petit sunset là. Ça régale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Ciao! J'ai été pris en stage cuisine par PK.